Voilà, bonjour les amis, je vais essayer de me mettre derrière le soleil. Là, nous sommes le 4 septembre, il me semble, donc départ pour le troisième jour de notre randonnée du Mozartweg. Aujourd'hui, c'est direction Königssee, et Salzbourg. Salzbourg, où sera notre camping, sera une étape de 55 km. 300 mètres de dénivelé, il me semble, donc j'espère moins pénible qu'hier. Voilà, le camping, on va le quitter du Linkel, le camping Landstadt, il me semble. Donc, je vous avais dit qu'on avait payé 44 euros le tout. Très agréable, franchement, c'était très bien. Je vais montrer ça encore une fois, dernière fois. Voilà. Et le beau temps est au rendez-vous. Voilà, là j'ai mis le micro, j'espère qu'on m'entend. Le propriétaire, il est en train de faire un terrain de golf. Sympathique le monsieur. Allez, nous on y va. Voilà, nous allons en direction Berchtesgaden, donc historiquement très connu. On est à 7 km et devant nous, c'est un des plus hauts sommets, je pense, c'est le Watzmann. À moins qu'il soit un peu plus loin. Un sommet très connu de Bavière. Voilà, donc on va en direction Königssee. Voilà, ça c'est le Watzmann, je pense. Ouais, très certainement. Et là devant, tout droit à la pointe, là, c'est le Kehlsteinhaus, ce qu'on appelait le nid d'aigle de Hitler. C'est pas sa maison d'habitation, parce que sa maison d'habitation, elle était un peu plus bas. Berghof, dans le Salz, je sais plus trop quoi, hein, Obersalzberg. Voilà, là il y a un ascenseur pour monter, hein, pour aller visiter. C'est belle, ces montagnes. Donc là, nous arrivons à Berchtesgaden, bien sûr, et on va direction Königssee. Voilà, devant nous, le Kehlsteinhaus. Une folie de construire comme ça, là au-dessus, c'est devenu un hôtel en attendant. Hitler y a été, il me semble, deux fois en tout et pour tout, puisqu'il recevait ses généraux un peu plus bas dans sa maison. Il savait où il fallait habiter. Hein. Voilà, on arrive à Berchtesgaden. Ouais, il y a pire comme cadre. Hein. Voilà, Berchtesgaden. Toujours à Berchtesgaden. Failli louper l'entrée de la piste cyclable.
Waouh. Petite écluse, tiens, ou une passe à poisson, je sais pas. Sur la Salzach. Bon, là, on longe la route, c'est pas terrible, mais au moins, on est à l'écart de. Isolé de la circulation, on va traverser le petit pont. Je vais arrêter de filmer. Allô. Sacré ouvrage. Encore des paysages majestueux comme hier. Oh là là là. Là, il y a de l'activité le long de la rivière. J'espère que ça va se calmer là parce qu'il y a beaucoup de voitures sur une piste assez étroite. Non, nous sommes à Markt Schellenberg. Oh oh. Pas mal, hein? Oh oh oh. Pause déjeuner. Là, on quitte les Alpes de Berchtesgaden. Direction Salzbourg, qui est quelque part là devant. Le paysage a changé. Bon, depuis un moment, nous sommes dans le parc d'un château. On va bientôt ressortir, je pense. Une immense place de jeu. Voilà, nous sommes dans la banlieue de Salzbourg, encore 2-3 km et on sera au centre-ville. Pour le moment, on longe la Salzach, hein, le fleuve qui traverse Salzbourg. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors à droite, le chemin piétonnier. Et nous, on a une route pour vélo.
Donc nous voilà à Salzbourg, donc on va rentrer dans la ville. La cathédrale est ici, on va aller la voir. Magnifique ville. Mimi prend sa photo. Salzbourg. On va arriver place de la cathédrale. Cathédrale de Salzbourg. Le problème, c'est qu'il y a des travaux partout pour l'aménagement d'une scène, de concert. Voilà. Pas très accessible. L'autre place, en fait, où je pouvais filmer la cathédrale, est toute bondée de scènes, de concerts. Droite, hein, chérie. Donc la maison de Mozart est un peu plus loin, je pense qu'on pourra pas y aller, hein. Ce sera interdit à vélo. La maison de Mozart, on peut pas y aller, elle est à 100 mètres d'ici. Voilà, on vient de sortir de Salzbourg. Malheureusement, il y avait tellement de monde, on ne pouvait pas aller à la maison de Mozart. C'était à peine à 50 mètres, mais c'était pas possible. Voilà, on est de nouveau sur les berges de la Salzach. Allez, on est sorti de la circulation. Et là, c'est le pont avec les fameux cadenas. Il y en a des tonnes et des tonnes. On y était passé à pied il y a 2, 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus. Sur une petite posette. Voilà. Château de Salzbourg, très belle ville, hein. Beaucoup, beaucoup de monde. Non, c'est pas là. C'est un peu plus calme que le vélo, ça. Voilà, c'est déjà un peu plus calme à la sortie de Salzbourg. Waouh, elle monte fou, hein.
dans la ville. Allez, on va quitter la Salzach pour rejoindre le camping à droite. Sympathique petite piste cyclable avant de rejoindre le camping. On a un petit ruisseau. Et là, ça va grimper après. Je ne sais pas si je vais réussir à monter à vélo. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au Pana. Voilà, la bière, la French Trouble, tiède, avec la French Chantilly, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon appétit. Merci. Voilà, nous sommes au camping Panorama à Salzbourg. Donc, très beau camping avec des sanitaires parfaits. Et l'accueil est parfait et on a payé 40 euros. Il y a un petit restaurant, mais le restaurant est fermé cette semaine, dommage. Mais une petite supérette où on peut acheter à manger. Et des produits de base. Voilà, donc très bel endroit. Bon, il y a beaucoup de monde, hein, près de Salzbourg, normal. Voilà, donc nous, on va passer à l'apéro maintenant. Voilà notre installation. Toujours le bordel autour de la tente. Allez, je vous reprends après. Voilà, ce soir c'est la fête, chérie. Oui. Chacun sa petite bouteille de champagne. Alors, c'est du champagne autrichien, je ne sais pas ce que ça vaut, on vous le dira. Hein? Donnez-moi le goûter. Allez, les amis, santé. Alors, ce soir, les amis, c'est poulet, pâte au pesto, accompagné d'un bon verre de vin autrichien. Et on vous dit bon appétit.